Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Kylian Mbappé et Christophe Galtier qui se marrent lorsqu'un journaliste leur demande de faire des efforts par rapport à l'écologie sur leurs moyens de transport, d'y aller en train plutôt qu'en jet privé. Et même petite vanne de Christophe Galtier qui dit qu'ils ont pensé à y aller en char à voile. C'est tellement à l'image de ce qu'est ce monde en réalité. La plupart des gens riches demandent à la population pauvre de faire des efforts alors que les pauvres n'ont même pas parfois de quoi se chauffer. Moi, personnellement, je suis pauvre. Je me chauffe avec des couvertures. Je n'utilise pas, je sais pas, des techniques qui existent de chauffage à sous-sol. Je sais pas. Au plus la technologie avance, au plus on consomme. Au plus on veut améliorer ce monde, au plus on consomme. Arrêtez de vous plaindre de ce que vous engendrez tous les jours. C'est un truc de fou. Les plus grands fautifs de l'écologie, ce n'est pas les gens. Là, encore un sujet pour diviser les gens les uns les autres. Après la médecine où tout le monde est devenu médecin, tout le monde est devenu météorologue. Et ça commence à me péter les couilles. Tout le monde, là, tout le monde, là, tout le monde, là, dès que je fais un truc, là, tu sais que c'est pas bon pour l'écologie. Mais ferme ta gueule! Tu connaissais rien. S'il vous plaît, ça devient trop là. Quel va être le prochain sujet qui va nous diviser tous? Alors que, en réalité, les pauvres ne consomment pas plus que les gens les plus riches de cette planète et ne font pas plus de mal que les gens les plus riches de cette planète font sur cette planète. Bordel. C'est voilà, c'est toujours pareil, hein. Diviser pour mieux régner.